Voilà. Salut Karim. Bon, cours d'éducation au bonbon. Attends, on va laisser un peu la télé. Ah, Irwin râle parce qu'elle est pas dans la pièce. Oh. Si tu l'entends, c'est Karim. Donc, on va faire avec ce faux chien déjà. Parce qu'après, quand j'aurai Cali, bon, on va te faire avec les chiens dans la pièce. Ou pas. Bon, allez. Alors, j'ai ma récompense qui est prête. J'ai le chien qui est, par exemple, debout. Il voit ma récompense. Tout est dans une question de doigté. Le... Tu... Cali. Hop. Bon, on laisse sortir les chiens. Ils vont voir les bonbons, du coup. Je sais ce qu'on va... Ouais, on fera ça après. Alors, donc j'ai mon bonbon qui est prêt. Et j'ai mon chien qui est là. Le tout, c'est avec le bonbon de jouer. Si tu veux le faire asseoir, tu lui appuies sur le museau pour qu'il s'assoie. Si tu veux le faire coucher, tu tires jusqu'à ce qu'il ait le nez par terre, il va se coucher naturellement. Et c'est là que tu donnes l'ordre où... Si on prend les cours de Juju, tu cliques. Une fois que ton chien clique, là, tu cliques, le bonbon tombe. Le debout, même principe. Irwin, tu tires. Bon, en pratique. En pratique, on va quand même sortir Cali. Alors Karine, oui, je voulais revenir sur un truc. Il faut aussi que tu choisisses le moment. Là, Irwin a fait une sieste... d'environ 2 heures après avoir fait la compte ou au repas de famille, je l'ai sortie, on a fait un petit tour du pâté de maison d'un quart d'heure et elle a pas encore eu sa gamelle du soir. Donc elle a faim. Tu vois, comme tu peux le voir, ça sent les bonbons. Oui. Alors le tout c'est de capter un élément naturel. Tu peux remplacer évidemment ou avoir le clic dans l'autre main. Hein. Donc il faudrait que. Le problème c'est qu'elle connaît déjà Irwin quand elle est dans cette position là. J'ai donc mon bonbon là qui est entre les doigts. Juste, j'appuie et je soulève en même temps. Au début, ça peut prendre un petit peu de temps. Ah si, c'est bien! Hop, le bonbon tombe. Ah si, c'est bien! Faut qu'il tombe dans la gueule, hein. Non, on va pas à la réserve. Là. Irwin? Donc j'ai toujours mon bonbon, hein. Je le soulève. C'est beaucoup de précision au début. Irwin, viens ma fille. Toi, tu sais le faire, hein. Ouais. Assis, c'est bien. Oui, assis, c'est bien. Irwin. Donc, j'ai mon Irwin. Bon, elle sait faire assis. Assis. J'ai toujours mon bonbon. Et là, je vais tirer tout doucement vers le bas. Sans le lâcher. Elle ne l'a pas encore. Oui, coucher, c'est bien. Coucher, c'est bien. J'ai toujours mon petit bonbon. Elle est par exemple... Alors... Voilà. Assis, c'est bien. Zut, Cali a fini son Dentastix. Assis. Assis. Oui. Et je tire. Couché. Voilà. Une fois qu'elle est assise, debout. Tout simplement. Debout, c'est bien. Alors, tu peux accentuer tes gestes, bien sûr. Quand tu as les deux mains. Et ma fille. Ma fille. Donc je caresse et je lève. Je caresse et je lève. Assis, c'est bien. Tu vois? Assis, c'est bien. Je reprends mon bonbon. Alors il est préférable aussi de travailler une position après l'autre. Hein. Une fois qu'il y en a une qui est compris, assis. Oui, assis, c'est bien. Tu peux attaquer le coucher. Assis, c'est bien. Et le problème, c'est qu'à cet âge-là, tu veux beaucoup récompenser. Oui. Couché. Oui, couché, c'est bien. Debout. Oui, debout. Et tu caresses là. Quand c'est couché, tu caresses sur le dos. Quand c'est debout, tu caresses sur le ventre. Oui, debout, c'est bien. Très important, une fois que tu as fini ça, tu sors de l'exercice. Oui, ça, c'est bien, ma fille. Oui, ça, c'est bien. Oui, ça, c'est bien. Oui. Et tout est une question de naturel. Là, ce que je suis en train d'apprendre à Irwin,
comme elle a des gestes naturels, comme Yui, jump. Yui, maintenant elle est calme. Jump. 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 Oui, jump, c'est bien ma fille. Oui, ça c'est bien le jump. Ça c'est bien le jump. Hop, on remet par terre. Yui, jump. Oui, jump, c'est bien ma fille. C'est bien ma fille le jump. Oui, ça c'est bien. Si je reprends avec les bonbons, tu peux après tout alterner. Je vais essayer un nouveau truc que j'ai pas du tout fait encore avec Irina. Irina, assis. Assis, c'est bien. Elle est assise, j'ai toujours le bonbon. Et là, je vais monter. Oui, petit chien, ou fais la belle, hop. Tout naturellement. Fais la belle, oui, fais la belle. T'as vu, tout est une question de l'heure. Et je te promets, c'est la première fois qu'elle apprend ça. Oui, fais la belle. Oui, whoop. Voilà, fais la belle, c'est bien. Bon, l'important, c'est de récompenser au bon moment aussi. Assis. Oui. Tu vois, elle me propose de l'assis. Oui, fais la belle, c'est bien, naturellement. Après, tu peux vraiment alterner. On va mettre Irwin de côté, je vais te montrer un truc avec Kelly. Kelly, tu viens? Oui. Hop. Alors, un des jouets préférés de Kelly, qui est aussi un des jouets préférés d'Irwin maintenant, il est là. Voilà, c'est un truc qu'elle a piqué à mes neveux, une coquille d'œuf Kinder, bon bref. Et je sais pas, à un moment je m'ennuyais, et je me suis dit, tiens, quelle bonne idée, ça peut faire un petit buzzer de... pour rigoler. Kelly, viens. Viens ma fille. Viens, viens là. Assis. Reste. Donc, je mets le buzzer, tu restes. Kelly, tape. Oui, tape là. Tape, tape. Oui, tape, c'est bien. Comment je lui ai appris, en fait, c'est tout à fait naturel. J'ai mis le bonbon en dessous du truc et...